Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci pour votre fidélité à Alsace 20. On continue le tour des régions, nous sommes aujourd'hui dans le centre de la France et nous sommes à la rencontre de Anne Contour. Bonjour Anne. Bonjour Martial. Merci de nous recevoir dans ce lieu absolument magique, qui a en tout cas une âme considérable, votre demeure ici, à quelques pas de Clermont-Ferrand. Vous publiez un ouvrage Anne de Joyeuse. Alors, on a envie de vous poser la question de qui est cette Anne incroyable. Ah, absolument incroyable, bien sûr. Joyeuse est une petite ville d'Ardèche. Anne de Joyeuse est passée à Auzon dans les années 1500 quelque chose. Tout au moins, on peut l'imaginer parce que l'histoire et la réalité se rejoignent quelquefois, mais pas toujours. Se rejoignent tout au moins dans la tête des écrivains et dans celle des lecteurs. Anne de Joyeuse vivait au XVIe siècle, donc, et nous avons tous vu le tableau des noces du duc de Joyeuse. Et alors, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire sur ce personnage ? C'est déjà ce tableau que tout le monde a vu, alors que personne ne sait grand-chose sur Anne de Joyeuse, qui a terminé sa vie à l'âge de 26 ans. Il ne faudrait peut-être pas que je le révèle. Après une vie très riche, mais peu décrite. Anne de Joyeuse a côtoyé le roi Henri III, qui était roi de France et qui a été aussi roi de Pologne. Donc, ils se sont retrouvés, ils ont une histoire passionnelle. Et donc, c'est un mélange à la fois de romans et de documents historiques. Comment vous avez travaillé ? Ce personnage me trottait dans la tête depuis des années. Sachant que sa vie avait été courte, mais que ce personnage avait laissé plus de 300 lettres à sa grand-mère, conservées à la Bibliothèque nationale, je pensais qu'il y avait là une belle matière, et je me suis ruée à la Bibliothèque nationale. Mais quand on se trouve devant les lettres d'Anne de Joyeuse, on a l'impression d'être un peu devant une crêpe, quelque chose de jaune avec des taches dessus, et rien à lire. C'est là que je me suis dit, il faut que je me prenne pour Alexandre Dumas, petite fille, arrière-petite fille, quelque chose comme ça. Mais il y a quand même une réalité. Donc je me suis documentée, et j'ai beaucoup rêvé. Je suis allée en Italie, je suis allée à Venise, où Henri III avait pu retrouver Anne de Joyeuse sur des canaux, sur des gondoles. C'est aussi une époque, donc j'ai découvert ça en documentant, foisonnante, l'époque des guerres de religion. Évidemment, c'était la guerre. Mais il y avait des idées qui couraient. Et il y avait des personnages tolérants. Parmi tout ce bain de sang, la Saint-Barthélemy, etc., il y a eu des personnages tolérants, comme l'évêque du Puy, qui a ouvert son évêché aux protestants pour les protéger des exactions catholiques. Incroyable. Incroyable. Alors, de fil en aiguille et de paysage en paysage, parce que tout de même l'Auvergne, nos châteaux étaient là, bien fiers. Ils ont été bien démantelés par tous ces beaux capitaines qui passaient. Mais il y avait ces chevauchées incroyables, il y avait ces gorges et ces précipices et ces cascades. Il y avait du paysage et il y avait des personnages. Il y avait des personnages hauts en couleur, des personnages âpres. Il y avait de l'amour, bien sûr, il y avait de la musique. Musique renaissance, je suis passionnée de la renaissance en général et de musique en particulier. J'appartiens à une chorale de Brioude qui a fait beaucoup de recherches sur la musique instrumentale et vocale à cette période. Donc il y avait des danses, il y avait des danses même certaines très sensuelles, il y avait des costumes, il y avait toutes ces réceptions. Il s'est passé plein de choses, c'était l'époque. Alors juste avant Henri III, Charles IX, Anne de Joyeuse vivait déjà, où l'année a commencé le 1er janvier. Puisque l'année commençait un petit peu n'importe quand. En Alsace, c'était peut-être à Noël, en Auvergne, à la Toussaint. Enfin. Donc le roi a trouvé que c'était ingouvernable. Et, voilà. A choisi le 1er janvier. Il y a eu plein d'événements très, 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 très curieux. Et ce personnage m'a emporté parce que je trouve que déjà c'est un joli nom. Et qu'il y a énormément de mystères autour de ce personnage. Que j'ai réussi en partie à lever ce mystère. Et ce qui échappait au livre, je l'ai trouvé quelque part dans ma tête, dans mes courses, dans mes promenades, dans mes rencontres. Alors c'est un livre aussi sensuel que le personnage, aussi passionnant que l'époque. Vous allez rentrer dans la vie de
Anne de Joyeuse grâce à Anne Contour. Deux Anne au service de votre lecture de cette semaine. Une lecture passionnante. C'est aux éditions Créé. Je vous engage à vous ruer en librairie. Allez chercher Anne de Joyeuse et vous allez voir, c'est votre semaine qui va s'en trouver joyeuse. À la semaine prochaine sur Alsace 20.